malheureusement perdu notre père avec ma petite sœur de cette pathologie en mai dernier. Et du coup, je me sentant impuissant, j'ai voulu faire quelque chose à ma façon, de façon à générer des fonds, ce qui a plutôt bien fonctionné dans le sens où la brouette a fait le buzz sur Internet. Et avec la cagnotte en ligne que nous avions directement en lien avec notre Facebook, celle-ci a pu monter très rapidement. L'aventure riche en rencontres qui m'aura permis justement de sensibiliser les gens sur cette pathologie, la maladie de Charcot, maladie toujours incurable, et également de rencontrer des gens sur ma route qui en sont atteints, ce qui m'aura reconforté dans cette idée un peu folle que j'avais de parcourir cette route mythique de la sorte. J'ai donc du coup d'autres projets en tête, et le premier à venir, le Tour de Corse dès septembre prochain, avec toujours la brouette et toujours pour la même cause qui sera défendue, c'est-à-dire venir en aide à la recherche sur la maladie et récolter un maximum de fonds.